les bons coups de Laura Tenuggi. Si vous n'avez pas encore pris vos vacances, vous êtes seul. Ah bah oui, voilà le problème, il est là. Donc vous allez payer plus cher. Vous en avez plus qu'assez. Laura a trouvé la solution. Oui, c'est si vous êtes célibataire ou par exemple vous partez avec vos enfants, ce qu'on appelle les familles monoparentales. C'est toujours un peu triste de partir seul, indépendamment de l'aspect financier, évidemment, comme vous le soulignez. C'est-à-dire on paye toujours plus cher lorsqu'on part seul en vacances. Alors, il y a déjà des sites qui proposent des aménagements de voyage où il n'y a que des célibataires. Là, c'est autre chose. C'est un site qui vous propose de trouver des comparses, des compagnons de voyage qui sont dans la même situation que vous, que vous pouvez même rencontrer avant, soit virtuellement, soit dans le réel. Vous pouvez commencer à communiquer avec eux. Et tous ensemble, on va organiser un voyage. On va partir en fonction de vos goûts et de vos envies et de vos disponibilités. En plus, la personne qui a créé ce site vient d'être, a été nommée récemment pour les palmes du e-commerce. Donc c'est une start-up talentueuse. Et nous, vous savez que dans Télématin, on aime bien soutenir les talents et les jeunes start-up. Donc nous sommes allés rencontrer la fondatrice du site qui nous en dit un peu plus. Clécovoyageurs.com, c'est une agence de voyage et un réseau social entièrement dédié aux célibataires et familles monoparentales. Donc on propose des circuits, des week-ends et des activités à partager entre célibataires. On s'est rendu compte qu'il existe à l'heure actuelle 18 millions de célibataires et à peu près 2 millions de familles monoparentales en France. On leur propose de partir avec d'autres célibataires de la même tranche d'âge, dans des petits groupes équilibrés hommes-femmes, voilà, pour ne pas se sentir isolés. Et on leur propose bien sûr de partager une chambre avec un autre covoyageur pour pouvoir économiser le supplément single. On propose 4 gammes de circuits et week-ends, des circuits classiques, découverts, donc ça va être des circuits culturels, voilà, pour découvrir un pays de manière globale, des circuits aventures, donc des randonnées essentiellement dans différents pays, des circuits vraiment adaptés aux enfants pour les familles monoparentales, c'est nos circuits familles monoparentales, et des circuits pour les passionnés, ce qu'on appelle les circuits thématiques autour de la photo, la gastronomie, le golf, etc. On essaye d'avoir des circuits pour tous les budgets. Sur un circuit en France d'une semaine, tout compris en pension complète avec l'hébergement et le guide, il faut compter 500 euros pour la semaine. Sur une destination plus lointaine comme le Sri Lanka, par exemple, il faut compter 1900-2000 euros pour 2 semaines, en pension complète toujours. Bon, ne nous méprenons pas, ce n'est pas un site de rencontre, hein, c'est un site... Après vous pouvez rencontrer sur place, rien, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'objectif du site. L'objectif du site, c'est de ne pas partir seul et de partir avec des amis ou d'autres personnes qui ont les mêmes goûts que vous et faire des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, on a vu du kayak à Venise, mais il y a plein d'autres activités qui sortent un peu des sentiers battus.